Salut les amis et bienvenue sur une nouvelle vidéo Apprendre un morceau avec guitare-facile.fr. Au programme d'aujourd'hui, on va voir le morceau de Alabashung, Gabi, oh Gabi. On va voir les accords, la rythmique un peu particulière qui va être un peu compliquée, mais n'hésitez pas, c'est expliqué. La démo pour voir à quoi ça ressemble. Et bah voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, on commence par les accords. Pour les accords, alors on va commencer par un Mi majeur qu'on transformera à un moment en Mi suspendu à la quarte, de cette manière. Ensuite, on va voir un La majeur qu'on va transformer en La suspendu à la quarte, comme ceci. Ensuite, on va voir des accords en barré. On va voir un Si majeur, un Fa dièse majeur et un Do majeur. Tout ça en majeur. Voilà, on a fait le tour des accords, maintenant rythmique. Pour la rythmique du couplet, c'est un peu spécial. Donc on va jouer en 16, on va donner tous les coups vers le bas. On va tout gratter, on va mettre des accents sur ceux qui sont marqués. On va avoir une rythmique pour le mi, pour le couplet, et une rythmique pour le la, qui sera un petit peu différente, juste un petit peu, mais c'est rigolo. Donc sur le mi, il va falloir faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mais sur le 11, on va mettre le petit doigt pour faire le suspendu à la quarte, mais pas sur le 13. Donc ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16. Pour le La, on a cette rythmique-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc on a le 8 qui est le coup qui est décalé sur le 8. Et le 8 et le 11, on va mettre le suspendu à la quarte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et le couplet, c'est on alterne les deux. Voilà pour le couplet. Maintenant, on va voir le refrain. Le refrain, on va voir la liste d'accords suivants qui se fait. Et pour la rythmique, on va faire en 8. Et il va falloir gratter en accent le 1, le 4 et le 7. Le 8 au plus si vous avez envie en bonus. Donc, ça va donner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Après, Fa dièse. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le Do. Et on enchaîne avec le 8. Voilà, donc en gros on fait cette rythmique et ça permet de faire ce refrain. Donc le plus dur dans ce morceau, c'est la rythmique du couplet à bien alterner entre le mi et le la. Voilà, et ben on a vu tout ce qu'il faut pour ce morceau. N'hésitez pas à aller voir la démo pour voir à quoi ça ressemble. À partager, à liker, à vous abonner, c'est à vous travailler bien. Ciao !